Salut la compagnie, c'est Mariva. Je vous retrouve aujourd'hui pour une ouverture Vinted et eBay, donc réception de cartes Pokémon avec pas mal de cartes en tout genre. Vous allez voir, c'est des cartes pour compléter mes collections avec entre autres de belles alternatives. Et puis on va les découvrir après l'intro. À tout de suite. Alors, première partie. Ou deuxième, ou troisième. Ou troisième. Ou cinquième, ou sixième. Et là, on en a plusieurs. Ah oui, c'est celle-là. Ah, ben il m'a mis une petite carte en plus, c'est sympa. Petite Montali. Ouais, alors c'était l'Aquali, que j'ai déjà, que vous connaissez sur... que j'ai sur une autre série. Mais alors celle-là, avec l'effet brillant en reverse, elle me tentait trop, je trouve ça trop beau. Trop beau comme ça. Donc oui, je sais pas, c'est sur la série SM12A qui est la fameuse série hyper chère actuellement. Le pire, c'est que quand elle est sortie, j'ai pas voulu acheter tout de suite les displays. Et puis depuis, ils ont triplé, quadruplé. Enfin maintenant, on est à 200 euros le display. C'est pas possible quoi. C'est pas possible pour moi de mettre 200 euros sur ce type de display là. J'ai déjà mis 200 euros dans des displays français, mais bon après, voilà, c'est autre chose. Ah, et celle-là, c'est ce que je vous avais dit, une qui est arrivée après la Noctali GX. Bien, ça va bien. Elle n'a pas subi trop, elle est en bon état. Donc voilà une nouvelle petite lettre que je... Voilà. Ah ouais, elle brille super belle. Super belle. Bon, par contre, ah oui, le sleeve quand même, c'est mieux. Mon japonais avec un petit panda, mais bon, je vais pas payer trop cher, donc je vais pas me plaindre. C'est plutôt cool. Et puis en plus, j'avais pas vu, elle a un spiroli, donc c'est super cool. J'adore les cartes comme ça quand elles ont un spiroli. Bon, bah écoutez, une autre belle carte. Et voici donc la suite de nos ouvertures. Pas de problème. Ah, voilà une petite beauté. Bien, vraiment bien emballée. Hein, dans un... Ouais. Et puis un beau top loader, donc super. Et la pyrolie est géniale. Donc je suis contente. J'ai fait une bonne affaire, je crois, parce que je l'ai eu à une dizaine d'euros. Donc. En fait, c'est cette Philalie. Alors voilà, le reverse, c'est super joli, et puis bah, je l'avais pas non plus, donc voilà, moi j'adore, je l'ai eu à 3 euros frais de port inclus, donc pour un... Ça vaut le coup, en plus, c'est un parfait état. Ouais, elle est en très bon état. Nouveau colis, Holo est avec moi en plus pour celui-là, ouais. Donc ça tombe bien. Ah, cool. Evoli, sympa le petit... Ah ouais, sympa, ouais. C'est Evoli GX. Ah, il m'a même mis... Ouais. Ah, et puis une sleeve, sympa, bon. Du coup, je crois que tu l'as pas, celui-là. Si, je l'ai. Si, je l'ai, mais... Bon. C'est... Ah, c'est un sticker carrément Draco. Ah, oui. C'est vraiment sympa. C'est sympa. Ouais, c'est vachement cool, hein. La personne est vraiment sympa de me l'avoir offert. Et puis donc, on se retrouve avec ma petite Evoli GX. Oui. Il y en a trois, hein. Il y a la 17, 18 et la 19. J'ai déjà la 19, il ne manque plus que la 18, maintenant. Oui. Donc, superbe. Superbe, superbe. Et puis bah, une petite sleeve très sympa. On a déjà vu ça. Ouais. Et puis un petit Draco en stickers. Très sympa. Super. C'est parti pour la suite. C'est quoi? Oh, pardon, voilà. Ah, trop cool. Une belle alternative. Trop bien, j'adore. Ça me fait vraiment penser au château dans le ciel. Très bon état, il n'y a rien à redire. J'ai plus des alternatives, j'ai réussi à l'avoir pour 23 euros, je crois. Pas cher du tout. Et... Presque sorti, génial. Ça a pu l'allumer. Et voilà la beauté!
Et voilà une autre alternative. Une autre alternative très attendue. Alors en coréen, parce que voilà, bah, toujours moins cher. Alors là, je suis hyper contente. Je vais vérifier ça. Vite, donc avec cette super petite enveloppe. Je suis bien faite. Je trouve ça super sympa. Des coupons éclatons. Ouais, vaut mieux avoir une bonne paire de ciseaux hein, pour ouvrir les colis et les lettres, parce que sinon. Ouais, bah, c'est bien plastifié. Schlock. Et encore un autre. Hey, ouais, cool. Magnifique. Magnifique. Ah, qu'est-ce que je suis contente. Oh, c'est vilain, ta vie. Attends, en plus, j'ai l'impression que tu m'as mis une petite carte en plus. Hop, attends, on essaie de. Déchirer tout. Déchirer, enfin, oui. Avec. Ah, oh, une petite toxizap avec, c'est sympa. Tu vois là. La Voltali. Elle est belle, hein. Elle brille. Elle est sublime. Bon, elle est un peu abîmée sur les bords, mais c'est pas grave. Bah, je l'ai pas payé cher, hein. Pour du. Voilà, regardez, c'est vrai qu'on voit un petit peu là si on regarde bien. Mais je crois que je l'ai payé moins de 10 euros avec les frais de port. Hein. Enfin, voilà, vous voyez, regardez comme c'est beau, quoi. Pour du X. Première édition en plus, hein. Donc on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Ensuite, nous avons. Attention, tu vois, oh, c'est marrant comme c'est fait. Il y a un truc avec. Oh, c'est quoi cette petite pochette? C'est trop sympa. Avec un petit ronflex dessus. C'est un ronflex ou un Pikachu? Eh ben, il y a un Pikachu, mais là, l'étiquette. Ah, j'ai pas vu le ronflex. La petite étiquette ronflex. Sympa. Il a changé le ronflex. Sympa comme petit cadeau. Ouais, il a fait un régime. Il a fait un régime. Alors attends, du fil électrique ou des cheveux, je sais pas exactement. Mais sympa là, déjà le petit cadeau, j'apprécie. Pikachu électrique, bah oui. On connaît pas toujours la poste ou c'est dans la boîte aux lettres. Ah. Oh. Oh. Ayouh. Bon bah attends, j'enlève quand même parce que ça fait dégueulasse. Donc c'est une promo, je crois qu'on a déjà eu. Alors c'est du soleil et lune hein, la promo. Hein. Donc ouais, super, trop contente aussi. Tu vois. Une donc, bien protégée. Hein. Alors ça. T'as vu, il t'a même mis un petit truc des volis là. Oh sympa. Ah ouais, un petit sticker dévoli. Oh, génial, j'adore. Oh, j'aime bien quand ils mettent des trucs comme ça. C'est ça que j'adore aussi. Même en achetant sur eBay, on se retrouve avec des... Quand c'est des professionnels, souvent. Quand c'est des professionnels, ils nous mettent des petits trucs comme ça. Souvent. C'est pas des trucs forcément très très chers, mais c'est toujours... Ça change de l'ordinaire. Ouais, c'est toujours souvent. Sympa. Il n'y a pas besoin forcément de faire des 100 et des 1000 pour Comme là, vous voyez, c'est juste un petit truc qui change, qu'on connaît pas. C'est sympa. Parfait. Il va me percer le truc. En attendant qu'on arrive à ouvrir, je vous fais voir. Attention, recul. Donc, dans un autre colis, j'ai reçu. Hop, attention, parce que j'ai un big reflet. Big reflet. Donc, un petit cahier. Evoli, Pikachu et Ponyta, trois que j'adore forcément, donc c'est super. Ça que j'ai adoré. Donc dans ma réception du jour avec mes displays, j'avais rajouté ça. Ça aussi, tiens, c'est... je fais un peu de temps à l'ouvrir. C'est pas ça que je t'attendais. Ah, je sais ce que c'est pas ce que je pensais. C'est pas pour le concours. C'est pas pour le concours. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, bizarre. T'as vraiment ah, alors voilà, donc ça de toute façon, je pense que je vais le filmer, mais à part pour le coup. Sympa. Donc hop, vous voyez, cahier, tout simple, calendrier. Donc tout simple. Tout simple. Mais trop mignon. Et donc le colis qui a pensé que c'était pour le concours, c'est pas ça. Voilà, c'est des sleeves, donc un gros lot de sleeves que je vais vous faire voir juste après. Dans une autre vidéo, la compagnie. Peu des suite de. Je coupe en fonction. Hein. Donc là, oui, autre réception de cartes cadeaux cette fois-ci avec des coffrets qu'on a achetés, des tripacks. Donc bah, du japonais, donc on est content. XY en majorité. Hein. Ouais, XY. Alors Léviator, une tuerie. Donc là, pareil, du XY. C'est Pietros. Première édition quand même, donc c'est toujours sympa de savoir.
Bah là, je sais plus. Je sais plus le nom. Voilà. Ah, je l'ai en plus. Moi, pareil. Gringolem. Ah, sympa, hein, n'empêche, avec cette cascade. Casque. Un casque de mine. De mineur. Arco. Enfin, l'évolution de l'arco. Et l'écrevisse, je sais jamais celle-là. Mmh. C'est pas écrapince. C'est piatop. C'est piatop. Un ossature d'Aloha. Porygon Z. Porygon Z. Axoloto. J'aime bien, hein. Elle est sympa. Elle est bien mise en valeur. Elle est sympa comme tout. Mystère. Ça fait longtemps. Ça faisait longtemps. Une traîneur de je sais pas quoi. Une feuille de je sais pas quoi. C'est spécial. Crabominable. Crabagar. Crabagar. Bah, l'évolution d'Axoloto m'arrête. Et une petite Mimigal pour finir. Donc voilà. Et voilà la copine. Nostalgic Full Art. Une secret. Non, pas une secret. Mais une Full Art en tout cas. Allez. Ok. Et voilà la première. Allez, viens me voir ma beauté. Ma beauté, ma beauté, ma beauté. Allez. Vous avez vu la première, on va regarder plus près. Donc, la première, vous l'avez vue. Voilà, une très belle carte Noctalie. Oula. Caméra. Plutôt très bon état, normalement, si j'ai bien vu. Parce qu'en plus, la difficulté dans ces... Dans ces cartes là, c'est qu'il y en a à tous les prix, mais souvent à beaucoup trop cher pour avoir un bon état. Et là, en japonais, elle est quand même pas donnée, mais elle est quand même beaucoup moins chère de, hop, que ce qu'on peut trouver. Ils sont sympas à mettre des scotch partout. Donc ouais, très belle carte. Et l'autre, ah voilà, une espèce, enfin une ex, une Decta ex species, je crois justement, spéciale. Donc c'est forme holographique. Après on a la grande ex qui est un peu différent, mais déjà rien que celle-là. En plus, elle existe dans un autre holographisme dans les formes françaises et anglaises, mais alors en japonais. Je tenais vraiment à l'avoir en japonais parce que la brillance et le tout est superbe. Hop. On voyait un peu simplement. Puis alors... Hop. Un peu beaucoup abîmé quand même derrière, mais contente de l'avoir, cette petite filalie. Cool. Pour savoir quelle carte c'est. Ah, c'est bien ce que je pensais. Et voilà. Je vais la sortir parce qu'on voit pas bien. Superbe carte, normalement. Ah voilà, on voit mieux. Elle est brillantissime. Et je l'ai prise parce qu'on avait un petit nymphalie. Donc c'est une série spéciale japonaise. Et voilà. En tout cas, c'est une série sinon spéciale japonaise. Voilà, avec plein de paillettes. Regardez comment elle est belle. J'adore. Donc je suis super contente d'avoir cette carte. Que vous ne connaissez peut-être même pas. Voilà. Je préfère pas la montrer avec le scotch. C'est bon. Non, mais tourne. Ok. Ah. Voilà. Regardez ça. C'est une belle beauté. Magnifique. Alors, je l'avais, mais dans un état pitoyable et pas en japonais. Et là... En fait, je cherchais à voir, c'est une X-Delta, donc une série X en holographique.
Et notre petite Montalier, elle est juste magnifique. Hein, n'est-ce pas? Mm. Trop, trop belle. Donc, bah là, super contente. Attendez, c'est une de mes chouchoutes, mais qui arrive très tard. La dernière. Ah. Voilà. Hein? Bah oui. Il y a un mot. Bah, il y a un mot, oui. Enfin, il y a une étiquette pour pouvoir la sortir, en fait. Regarde. Voilà. C'est ça, des fois. Donc, voilà, je vous la fais voir bien comme il faut. Une superbe carte. C'était une de mes chouchoutes que j'attendais. Donc, voilà, je dirais que ma collection est déjà bien complète. Vous c'est allez pas. Voir prochainement une vidéo sur ma collection. Vous allez voir. Ça arrivera sûrement la semaine prochaine, voire un petit peu après. Mais... T'as toutes les alternatives? Quasiment. Il m'en manque plus qu'une. Laquelle? Eh ben, je laisse les gens découvrir. Mmh. Allez, de toute façon... Tu me les diras hors de hors bien vidéo. Bien sûr, je te le dirai. Et voilà, une petite beauté qui arrive aussi. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà, attention. Vas-y. Oh. Oui. C'est ce que j'espérais tellement. Oh, la beauté. La beauté. Ah, tu t'attendais pas à celle-là, hein? Mmh. Ouais, voilà, ce sera le clou de notre vidéo. Une belle beauté parmi nous. Hop, je vous la refais voir un peu plus près. Avec la brillance. Bon, avec les reflets, c'est pas évident. Voilà. Regardez ça, les amis. Hein, les gens ou la compagnie. Puis voilà, elle est plutôt ouais, c'est en anglais. L'avantage est que ça m'a coûté quand même beaucoup moins. Enfin, j'ai réussi à l'avoir quand même à pas trop cher. Bon, sur ces belles paroles, bah, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à vous abonner, hein, n'est-ce pas? Ouais. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao, ciao. Bye.